Bienvenue dans la revue de presse avec Émeric Coupelli. Madame, Monsieur, à nouveau, bonjour. Les élections législatives auront lieu à bonne date et donc le processus électoral suit son cours normal. Les journaux nous rapportent que la Commission électorale nationale autonome Sénat annonce une importante activité demain, jeudi, dans le cadre du processus électoral enclenché pour les législatives du 28 avril prochain. Il s'agit de la présentation du positionnement des partis en lice à l'occasion qui se fera au cours d'un point de presse qui se tiendra dans ses locaux à Granchy. Les législatives maintenues au 28 avril, la Sénat dévoile le bulletin unique, titre l'événement précis. Une information reprise par le matinal qui renseigne que le spécimen du bulletin unique connu demain. Seuls deux partis sont concernés ici, si l'on s'en tient à la dernière sortie médiatique des responsables de cette institution qui ont retenu l'Union progressiste et le Bloc républicain comme les deux formations ayant rempli tous les critères pour prendre part à ce scrutin sur les 8 dossiers de candidature qu'elle a enregistrés. La Sénat ne compte plus perdre le temps. Elle positionne les partis en lice sur le bulletin unique. Demain, mentionne le Benoît Libéré pour respecter son calendrier. Mon confrère poursuit que l'activité annoncée par la Sénat ce jeudi laisse déduire sans doute que le processus électoral se poursuit en dépit de la crise électorale actuelle qui semble s'accentuer depuis lundi dernier avec l'impossibilité pour les camps antagonistes, minorité et majorité parlementaire de parvenir au consensus tant souhaité. Les présidents des institutions de la République ont d'ailleurs fait le triste constat lundi dernier après leur rencontre avec le chef de l'État Patrice Talon et ont appelé pour ce faire à la poursuite du processus électoral en l'État. C'est donc, selon le Canard du Nord, un match amical entre l'Union progressiste et le Bloc républicain, un avis que ne partage pas le Matin qui trouve plutôt que c'est une compétition qui fera triompher le meilleur. La meilleure chose qui peut triompher ici est la vérité sur le dossier de détournement des milliards alloués à la police nationale sous le président Boniaï. C'est Fraternité qui écrit noir sur blanc que la brigade économique et financière convoque les ministres soupçonnés sur instruction des autorités judiciaires à la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme. La brigade économique et financière a adressé une convocation au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique soupçonné. Et déjà, certains répondent à leur convocation. C'est ainsi que les enquêteurs sont portés au domicile du ministre Placide Azandé à Rivière pour l'écouter. Selon les recoupements, il a donné sa part de vérité et se dit serein. De sources concordantes, d'autres ministres ont exprimé leur désapprobation à faire des dépositions pour des raisons d'enquête. Pour l'heure, le soleil levant indique que plusieurs personnalités sont convoquées à la criette ce jour. Le journal poursuit qu'il s'agit d'une vague de cadres soupçonnés dont les responsables du service financier du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en l'occurrence l'ex-directeur des ressources financières et du matériel, l'ex-directeur de cabinet et directeur général de la police nationale, ainsi que le directeur des ressources financières de la police nationale. Par ailleurs, il faut noter que les deux derniers sont écoutés en tant que témoins. Les dernières secondes de cette revue avec cette information à la une du Benoît Libéré. Il nous parle du retour triomphal de la DT au certificat d'études primaires 2019. Par arrêté en date du 25 mars 2019, le ministre des enseignements maternels et primaires a défini le cadre de l'organisation de l'examen du certificat d'études primaires CEP. Suspendu depuis quelques années, l'épreuve de dictée est de retour à l'examen du CEP. Selon l'article 11 de l'arrêté ministériel, c'est la troisième épreuve que les candidats à l'examen du CEP composeront. Le même arrêté, cette fois-ci, en son article 23, a défini les différentes conditions que doivent remplir les candidats pour être déclarés admis. Le soleil levant confirme l'information et mentionne que la DT de retour au CEP est à partir de 2019. L'objectif du retour de la DT dans l'examen du CEP, à en croire le ministre de l'enseignement primaire, est de faire face à la baisse critique du niveau des apprenants.